Ah, les premiers ils arrivent. Salut la famille. Johan qui me dit le premier bonjour. Marjorie qui vient d'arriver. Je vous laisse partager la famille. On va faire un petit débrief. Deux, trois petites choses à parler. En ce qui concerne demain. En ce qui concerne mon passage qui fait beaucoup parler hier. Deux, trois petites précisions à apporter parce que je pense que ce serait important. Donc n'hésitez pas à partager. À quelle heure il est Il midi. Donc je pense pas qu'on aura grand monde. Pour ceux qui sont en pause déjeuner. Bon appétit Bon appétit alors, on va commencer tout de suite, comme ça on va éviter de perdre du temps. Déjà, première information importante que je voulais vous notifier, demain il y a une manifestation à Paris qui va démarrer à partir de 11h du matin à Place Coluche. Il euh, y a une organisation qui se joint... Au, à ceux qui ont déclaré la manif, euh, alors j'ai oublié le nom, tu m'excuseras, Valentin, c'est l'association, euh, je, je la mettrai dans les commentaires en haut, euh, où il sera possible, et si vous avez la possibilité de venir, bah de venir avec des denrées alimentaires, parce qu'il y aura une collecte qui sera redistribuée, donc euh, voilà, si vous avez du riz, du, des pâtes, euh, des, des conserves, euh, des pommes de terre, des, 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 des kilos d'oignons, enfin voilà. Si vous avez envie de participer, si vous avez envie de, de faire un petit geste, pour donner à manger à ceux qui le nécessitent aujourd'hui quand on voit un petit peu la misère actuelle. Euh, sachez que la manifestation de demain, je le répète, à partir de 11h, place Coluche à Paris. De 11h à 13h, il y aura une collecte de denrées alimentaires. Donc euh, comment joindre l'utile à l'agréable, hein, de pouvoir venir manifester petit coup de téléphone, de pouvoir militer, de pouvoir... Euh, de pouvoir aussi apporter de l'aide à ceux qui sont dans le, dans, le plus dans la nécessité et de pouvoir euh, donner à manger. Donc euh, voilà, j'en discutais avec Valentin. Euh, le nom de l'association, je l'ai oublié, euh, ça va me revenir. Et si je coupe le live pour aller voir le nom, ça va être compliqué. Donc, euh, au pire, si d'ici la fin de live, je me rappelle, je vous la donnerai. Voilà, donc partagez euh, cet événement, partagez cette manifestation sur Paris. Euh, C'est très important. Et, euh, et puis après, les autres manifestations euh, qui est un peu partout en France, euh, je n'ai pas forcément de retour. Je sais qu'il y en a une grosse à Strasbourg. Ah bah tiens, Abderrahman, Abdelatif nous en parle, Appel national des, des Gilets jaunes à Strasbourg. Euh, moi, ce sera sûrement ma dernière manifestation euh, que je vais faire à Paris euh, dans l'immédiat. Euh, parce que j'ai envie de faire un petit tour en province. Donc euh, pour le coup, je n'ai jamais été à Strasbourg. Ce ne sera pas pour ce samedi-là. Je suis désolé les gars. Mais je vous promets de venir vous voir bientôt. Je vais aller à Marseille parce que j'aimerais aller voir l'association de mon ami Kamel avec le, le McDo qui a été transformé en restaurant solidaire. Et j'aimerais aller aussi en Bretagne euh, du côté de Rennes parce que j'ai promis d'y aller à un ami de manifestation. Donc voilà, j'ai envie d'aller un petit peu en province, d'aller une nouvelle fois à la rencontre des, des gilets jaunes un peu partout en France. Parce que le, le week-end dernier, j'étais en Champagne. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là, voilà, hein, je le dis, en champagne, j'ai pris le café avec des retraités, ils sont gilets jaunes. J'ai pris le café avec un entrepreneur, c'est un gilet jaune. J'ai discuté avec un handicapé, enfin quelqu'un qui est en invalidité et qui est gilet jaune. Trois catégories de personnes, trois, trois univers différents, mais encore une fois, des gilets jaunes. Donc la certitude est qu'on est bien présent, même si on est à la maison. Cela s'explique par de multiples raisons. Ne perdons pas confiance, ne perdons pas la motivation. Et euh, restons soudés. Euh, de toute façon, dites-vous bien une chose, la famille, c'est que le plus dur, ce n'est pas la chute. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de chuter aujourd'hui, pour qui tout va bien encore, le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Le jour où ils vont atterrir, vous inquiétez pas, ils sauront quoi faire, et nous, on sera là pour les accueillir, et on sera là pour mener la lutte, prendre soin d'eux, et être responsables les uns des autres. J'en reste convaincu, le combat est long et difficile, mais on va le mener à bout, c'est sûr et certain. Voilà la famille. Donc ça c'était pour la manifestation et mettre un petit peu de motivation au niveau des, des gilets jaunes. Alors je vois Besançon, je vois pas mal de Tu penses à l'appel de la contre-manifestation demain à 14h. Oui, à Montparnasse. Alors ça aussi c'est la deuxième manifestation euh, contre le, le groupe identitaire. Euh, J'essaierai aussi d'y faire un tour. Hein. Je pense que je vais aller à celle de 11h. Euh... Ouais, Fly, pas de souci. Salut Fly. Ouais bah, ouais, à Rennes, c'est ça. C'est à Rennes. Je crois que c'est Mickaël de Rennes. Euh, que j'ai pas oublié malgré, euh, malgré tout, que j'avais rencontré le 12 septembre. Donc je lui ai promis que j'irai à Rennes, donc j'irai faire un tour à Rennes, même s'il n'y a pas de manifestation, qu'on puisse euh, s'organiser un petit rond-point, une discussion, une petite conférence, voir un petit peu où sont les choses, donner des nouvelles de partout en France sur ce qui se passe sur les groupes, sur ceux qui commencent à, à mettre les choses en place, sur ceux qui se préparent pour la, les présidentielles, dans le sens, pas être devenir président, mais de pouvoir agir sur les présidentielles. Donc je pense qu'il serait important que l'ensemble des régions et la province puissent... Euh, puissent puisse puisse être au courant de ce qui se passe un peu partout parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie et que le physique a son importance donc ça c'était pour pour les manifestations donc revenons à celle de l'identitaire demain euh, de pouvoir euh, de pouvoir être aussi là de pouvoir euh, aller contrer leurs paroles parce que ok pour qu'ils puissent parler mais à nous de contre et de dire que ce qu'ils disent c'est de la merde et des conneries et que ça va pas arranger les choses voire même pire ça va les euh, ça va les aggraver donc voilà pour les deux manifestations demain. Euh, on se voit demain pour ceux qui seront sur Paris. Je vous fais un bisou en attendant et n'hésitez pas à partager l'événement. Alors, deuxième sujet que je voulais voir avec vous. Le, alors, on a le nom de l'association. Ah, avec l'association au cœur de la fraternité. Voilà. Donc denrées alimentaires, produits de première nécessité, vêtements chauds pour enfants et adultes. Voilà, pour ceux qui veulent participer à cela avec l'association Au Cœur de la Fraternité, euh, voir sur la page de Valentin, Jean-Christian Valentin, pour de plus amples informations. Voilà la famille. En ce qui concerne le deuxième sujet, Anuna et l'émission BTP sur laquelle j'ai pu participer hier. Donc euh, déjà, merci pour euh, tous les messages que j'ai reçus. C'est quand même énorme d'en recevoir autant aussi bien par euh, sur les différentes messageries que sur les SMS donc déjà merci à tous ceux qui, qui m'ont soutenu merci à ceux qui ont participé pendant l'émission à m'envoyer des messages de, de témoignages sur le fait qu'ils soient consommateurs ou non consommateurs hein. bien sûr le débat reste ouvert à vous de vous faire votre propre idée euh, donc merci aussi pour tous ces messages donc premier point que je voulais aborder à vous avec vous c'était le fait de oh, Jérôme tu vas en prendre plein la gueule ils vont te démonter ils vont te détruire je ne sais pas si vous avez remarqué que, mais là, je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est à dire que je ne suis pas l'invité, je ne suis pas celui qu'on met face à une accusation, face à des propos ou quoi aux caisses. Je suis de l'autre côté. Limite, je suis passé du côté des requins, c'est à dire qui, la personne qui est censée allumer ou pas l'invité. Le, le, d'avoir de, des arguments pour le contrer si on n'est pas d'accord. Bon, ironie du sort, le mec de LREM qui était hier sur le plateau, hein, une fois n'est pas coutume, était d'accord avec ma prise de position. Bon, donc difficile d'aller à l'encontre, à part le fait, à un moment donné, quand le mec s'est exprimé à dire qu'il faudrait un référendum pour que les Français puissent s'exprimer, euh, le jour où Macron nous fera un, fait, un référendum pour que les Français puissent s'exprimer, euh, franchement, il tombera des billets de 500 euros où je serai le premier à manger mon chapeau. D'accord Et puis tant qu'à faire un référendum sur la légalisation du cannabis, euh, peut-être peut -être faire un référendum sur une nouvelle démocratie, faire en sorte de changer la constitution. Je pense que ce serait beaucoup plus prépondérant pour l'ensemble des Français de savoir si oui ou non on doit fumer du shit et de la bœuf. Voilà. Les priorités avant tout, hein. la priorité aujourd'hui des Gilets jaunes c'est pas de savoir s'il faut légaliser l'abeu, la priorité des Gilets jaunes c'est de pouvoir bouffer, de pouvoir être personnifié, de pouvoir euh, avoir de la valeur, d'avoir de la valeur à leur travail et que si référendum il devrait y avoir, euh, concentrons-nous sur notre démocratie, sur notre pouvoir de vivre et pas sur euh, des, des sujets qui peuvent être discutés euh, entre nous dans des assemblées et prendre des décisions qui s'imposent. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, pas d'inquiétude. J'ai pas eu l'impression de m'en prendre plein la gueule en tous les cas, quoi. J'ai pu essayer d'en placer une. Hier, c'était un bordel complet, hein, Vous avez vu, tout le monde voulait donner de la voix, tout le monde voulait parler. Deuxième chose. Ouais, mais Rodriguez, on l'a pas entendu beaucoup parler et il, on lui a pas donné la parole. Donc, vous avez remarqué que dans Heures d'émission, il euh, faut que vous la preniez la parole. D'accord? En même temps, c'est ma première fois. Je vais pas monter sur mes grands chevaux, arriver sur le pupitre et dire fermez vos gueules. C'est moi qui vais parler. D'accord? Faut aussi que je me fasse un petit peu ma place. Et puis, de toute façon, le sujet prêtait pas non plus à ce que je puisse m'énerver. Euh, je ne vois pas l'intérêt. Donc, euh, à moi de prendre la parole, j'ai essayé d'en placer quelques-unes. C'est suffisant ou pas. En tout cas, voilà. Je n'ai pas l'impression qu'on m'a soit censuré ou donné très peu la parole. On est huit autour du plateau, je crois, ou une dizaine. Chacun veut donner de la voix. Vous avez des grandes gueules. Vous avez vu Laurent Saillé à côté de moi. Elle n'en peut plus, hein, qui succombe au lobby des, des marchands de vin et qui est là à dire tout et n'importe quoi. Yann Moix qui, euh, qui avait son avis, enfin voilà, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je passe du côté de ce qu'on appelle les chroniqueurs ou éditorialistes comme vous le voulez, à moi d'essayer d'en de, placer une parmi les huit autres personnes. Quand je suis l'invité, forcément j'ai limite l'exclusivité de la parole et je peux me permettre de couper la parole à ceux qui m'envoient chier ou ceux qui voudraient me contredire. Là c'est beaucoup plus compliqué. Donc, arrêtez de fabuler, arrêtez, voilà, on est là. Je ne sais pas si l'aventure va continuer, je ne sais pas si j'ai plu hier, euh, je ne sais pas si j'ai plu aux, aux, aux camarades gilets jaunes, je ne sais pas si j'ai plu à mes amis, je ne sais pas si j'ai plu à la production, je ne sais pas si j'ai plu à Cyril Hanouna. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'espère ne pas avoir dit de conneries. J'ai parlé en mon nom, parce que je ne connais pas la position des gilets jaunes quant à la légalisation de l'Abeu. Euh. En tout cas, j'ai parlé en mon honte en ce qui concerne l'émission d'hier soir. Si d'autres sujets sur lesquels je serais invité à, à venir débattre me permettront de mettre en avant l'ensemble des projets Gilets jaunes, l'ensemble des revendications Gilets jaunes, euh, tout le travail qui a été effectué, de pouvoir le mettre en avant avec les différents groupes, je le ferai volontiers. Mais pour autant, il faut que le sujet puisse s'y prêter. Voilà. Euh, en tout cas, voilà, j'ai eu de très bonnes remontées de la part de l'ensemble des Gilets jaunes. Je vous remercie. Et je suis à l'écoute des critiques que j'ai pu lire sur différents postes. Euh, voilà, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'imaginaire dans le monde des médias. C'est un pouvoir qui reste à combattre. Mais à un moment donné, évitons de combattre de l'imaginaire parce qu'on perd notre temps. Concentrons-nous sur les vrais sujets. Je pense, en tous les cas. Voilà. Je ne sais pas si l'aventure continuera. En tout cas, hier, c'était très intéressant de passer de l'autre côté, de voir autrement les choses. Euh, pourvu que ça dure, hein, je euh, voilà. Donc, les messages, oui, répond aux sirènes du capitalisme. Euh, non, euh, on m'a juste proposé un petit boulot pour que je puisse bouffer. voyez, à défaut de faire des, des caisses de soutien pour que les gens puissent m'aider, et ben voilà, je vais travailler. Hein, donc, merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois. Mais au moins, je vais travailler. Si c'est succomber aux sirènes du capitalisme, euh, plus personne bosse. On arrête tous de bosser. Voilà, on m'a proposé de manger. C'est pas la première fois qu'on me le propose. Dans l'absolu, j'ai pas d'autres patron qui me propose un boulot. Euh, si, si, si demain je dois changer de métier et partir sur autre chose, voilà. Au moins aujourd'hui, je peux travailler, je peux me concentrer sur quelque chose. Et ça, ça fait du bien. Parce que pendant 24 heures, j'ai pu étudier le sujet, me renseigner, aller sur Internet. Et ça fait du bien. Voilà. Et ça me permettra d'être encore plus motivé pour le combat et d'essayer de passer le maximum de messages. Ah Dernière chose. Très, très importante. Depuis vendredi dernier je ne reçois que des messages, enfin du moins, qui ont besoin d'un coup de main, de tous ceux qui sont dans la détresse, entre les personnes qui perdent leur appartement, les associations qui veulent qu'on parle d'eux, euh, des gens qui veulent avoir des papiers par rapport aux activités qu'ils font, enfin bref, tous les problèmes divers et variés, les, les enfants malades, tout le monde veut passer chez Hanouna. Alors, je ne suis pas la secrétaire de Cyril Hanouna, je lui ai passé plein de messages, il ne peut pas répondre à tout le monde non plus. On ne peut pas prétendre être le l'abbé Pierre de l'ensemble des réseaux sociaux. Par contre, hier j'ai eu un contact avec la production d'Anouna qui me demande de lui envoyer tous les messages de détresse de gens qui ont besoin de s'exprimer de sujets intéressants, de pouvoir lui remonter les messages pour que lui puisse en parler avec Cyril Anouna et peut-être en faire le sujet d'une émission. Voilà. Donc, parce que moi je ne peux pas régler le problème de tout le monde. Je peux passer les messages, je le fais volontiers. Après, je ne suis pas décisionnaire et si les gens n'y répondent pas favorablement, j'y suis pour rien. Mais il y a la garantie que les messages seront passés. Je l'ai passé pour une association d'infirmières, je l'ai passé pour un petit boxeur qui est champion de France mais qui n'est pas français, j'ai passé pour les forains qui sont en galère, ils m'ont envoyé un message parce que personne ne parle des forains. Voilà, j'envoie vos messages. Voilà. Après, je ne les vois pas tous, mais en tout cas, j'envoie ce que je peux voir, je les envoie. Euh, à la personne hier qui m'a donné le contact et voilà je trouve ça intéressant voilà euh, petite voilà je crois que j'ai fini sur le sujet euh, BTP en tous les cas et merci à tous ceux qui ont suivi la prochaine fois je vous mettrai le sujet de la de la soirée comme ça vous pourrez débattre et moi dans les commentaires avoir vos avis et pouvoir les remonter les informations si en tout cas le sujet s'y prête Dernier petit message personnel. Bon, sur ma messagerie de la page, il y a un message automatique. Donc quand les gens m'écrivent un message, ils reçoivent un message automatique. Arrêtez de vous énerver les nerveux. Ça sert à rien de l'insulter le message automatique, il va vous répondre la même chose. D'accord Si je vous mets un message automatique, c'est vous puissiez patienter. D'accord Donc les gens qui insultent de connard ou de fils de pute le message automatique, euh, il va pas vous répondre. D'accord Donc soyez zen, soyez calme. Si je peux, je vous réponds. Mais il vous a rien fait le message automatique. Ok, la famille, c'est quand même. <laughs> il y a des mecs qui se vénèrent contre le message automatique. C'est quand même génial. Les, des fois, les réseaux sociaux, c'est assez incompréhensible. Donc voilà. Ouais, moi je parle pas à des HTTPS. Euh... Enfin bref, les mecs qui viennent, ils sont tout gentils, ils mettent un message gentil, puis derrière ils s'énervent comme des oufs. Zen les gars, détendez-vous du gilet, ça va bien se passer. Ok, le message automatique, laissez-le tranquille, il vous a rien fait. Ok? Et ni moi d'ailleurs au passage. Voilà la famille. mais ça c'est assez drôle quand même. Il y a, il y a, des, il y a des situations qu'on va traiter de cocasse. C'est assez cocasse. Euh, allez, petite, euh, petite anecdote hier en salle de. En salle, avant d'arriver euh, sur le plateau. Vous savez, Laurence Saillet, euh, qui découpe et qui découpe les gilets jaunes. Je me suis permis de lui poser la question, de lui demander euh, est-ce que. Est-ce que vous seriez capable de me donner un chiffre sur le chiffre d'affaires perdu des restaurateurs quand on manifestait. Je me suis fait envoyer chier. Elle ne sait pas répondre. Ouais, on n'est pas, pas, pas là pour parler de ça. Euh, mais nanani, mais nanana. Ouais, mais arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Donnez-nous un chef. Donnez-nous, pardon, un chiffre, pardon. Donnez-nous un chiffre. Voilà. Euh, franchement, de toutes celles qui étaient hors plateau, euh, bah, c'est celle que j'apprécie le moins parce que. Euh, alors là, pour, euh, quand t'as des œillères, mon pote, elle a des œillères, mais comme ça, quoi. C'est euh, un truc de dingue, cette dame. Voilà, avec tout le respect que je lui dois, euh, franchement, euh, je crois que c'est le genre de personne, où on se mettra, mais alors jamais, jamais, jamais d'accord. Si d'autres euh, à d'autres d'aventures, je retourne sur le plateau, euh, on risque de se marrer parce que je vais en faire mon 4 heures. Voilà la famille, je vous fais un bisou à tous. Euh... Ah bah voilà, Mickaël. Tu vois, Mickaël, je t'ai pas oublié de Rennes. Hein mon tonton tu vois, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Ah Louisa Louisa, bon anniversaire ma chérie. J'ai vu que c'était hier, je t'ai pas souhaité. Parabéns Miyaming. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, euh, si vous voyez le petit message de Louisa, c'était son anniversaire. C'est une grande amie à moi. Je vous invite à, à lui faire un petit like. Voilà la famille. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à demain en manifestation. Je sais de quel monde j'appartiens. Mon monde, c'est vous. J'ai mis un pied dans le monde des médias, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas le combat. Et on ira jusqu'au bout. Voilà la famille. Je vous fais un bisou prenez soin de vous et oubliez pas demain les différentes manifestations à, à pouvoir euh, à pouvoir les promouvoir et les partager sur les différents réseaux sociaux bisous la famille portez vous bien